Et la religion, on en parle dans ton bar. Et le cul, on en discute dans ta ville. Maurice, bien. C'est la nuit, c'est parti. Sur France Culture, vous seront proposés à 18h30 par Jean-Claude Parjac. Merci de votre attention. Dans l'immédiat, vous retrouvez Isabelle Rabineau et les Feux de la Rampe. Quand il s'arrête, oh, ce cheval en mouvement, de la main ou ralentir son mouvement. Demi-pas, temps, arrête, oh, arrête le cheval. Tant quand il s'arrête, ce cheval, oh, ralentir. Les Feux de la Rampe, Isabelle Rabineau, Ghislaine David, bonjour à tous. Demi-art, temps, arrête, arrête, ralentir de la main, oh, ralentir. Aujourd'hui, les Feux de la Rampe sont braqués sur Maurice, Radio Libre, pour une radio inédite. Si vous bougez, non, si vous bougez de là, attention, ne bougez pas, non. Pause, c'est fini, c'est fini. Il s'arrête ce cheval, mouvement, ralentir, stop. Ainsi, ralentir, ralentir. Les Feux de la Rampe, ou ce que la célébrité veut dire, une émission de radio avec téléphone, paillettes, catastrophe, paparazzi et courts-métrages sonores intégrés. Vous qui êtes chez vous, vous êtes célèbre, mais tout le monde l'ignore encore. Et bien, si la célébrité vous agace, vous amuse, vous indiffère, rappelez-nous au 01 42 20 62 62. Je répète, le 01 42 20 62 62. Et soyez célèbre 60 secondes sur France Culture, la radio du service public, là où vous êtes branché. Ici Radio Cité, longueur d'onde 280 mètres 9. Les Feux de la Rampe. Alors, si Solène va attendre Bordeaux. Voilà, bah alors je t'appelle parce que, comme je te dis, ça fait un petit moment que je t'écoute. Et je voulais dire qu'enfin, on a une émission où on respecte les auditeurs, c'est-à-dire qu'on respecte leur droit à la parole. Oula, attention, Solène, on va freiner tout de suite. Ici, dans cette émission, depuis que je l'ai faite, depuis 7 ans, il n'y a pas de droit à la parole, c'est une possibilité. Tu comprends? Oui. Parce qu'autrement, il faut venir avec nous pour bosser. Mm-hmm. Ceux qui ont des droits ici sont ceux qui font, pas ceux qui disposent. Oui. Tu vois? Mm-hmm. Enfin, ce que je veux dire, c'est que, bon, mais depuis que je t'écoute, j'ai eu l'occasion d'entendre diverses personnes sur des sujets tous différents. C'est-à-dire que, bon, mais ça change de tout ce qu'on peut entendre ailleurs. Et, enfin, moi, je trouve ton émission intéressante dans la mesure où on entend de tout. Des gens qui ont des tas de choses différentes à dire, des situations toutes différentes, des âges différents aussi. Et j'aime beaucoup aussi la musique que tu passes. Ah, une fille qui a des goûts, ça. Maurice est ici, libre, dans ta radio à toi. 0 803 07 17 27. Radio libre. Maurice, un extrait non censuré d'une séquence de votre émission il y a quelques jours, je crois que c'était le 17, il y a deux ou trois jours. Alors, ce qu'on entend là, précisément, c'est le contraire de ce qu'on dit habituellement. On dit chez Maurice, Maurice vous envoie valdinguer dans la galaxie et vous n'avez pas le droit à la réponse. En fait, on s'aperçoit que... C'est aussi parce que les gens de chez nous aiment bien critiquer. C'est-à-dire qu'en général, les gens qui ont remarqué que... qu'à certains moments, je pouvais dire à quelqu'un merci, bonne nuit, rentre chez toi, sont des gens qui n'ont pas compris le principe de l'émission, qui n'ont pas compris que c'était une émission de parole avant tout. Mmh. Dans une émission de parole, on parle, mais on ne parle pas à tout prix. Enfin, c'est comme ça, en tout cas, que je vois l'histoire. Par exemple, chez vous, on n'arrive pas en disant je voudrais pousser un coup de gueule. Oui, parce que je n'aime pas le principe. J'aime bien qu'on vienne pour dire quelque chose, pour dire qu'on n'est pas content. Mmh. Mais pousser un coup de gueule, ça, une sorte de boîte dans laquelle il y a de l'énervement et très peu d'explications. Et j'aime bien qu'il y ait des explications. Alors Maurice, vous êtes à coup sûr le plus célèbre de tous nos invités au Feu de la Rampe ce mois-ci. On a Yves Thibault de Silgui, commissaire européen. Demain, c'est Thierry Garrel d'Arte qui vient nous voir. Eh bien, vous êtes sans doute celui qui est le plus connu et le moins entendu, j'allais dire, par ceux qui en parlent. C'est-à-dire qu'il y a comme une zone incompressible médiatique qui fait qu'on dit ce qui se passe dans votre émission sans l'entendre. Et donc, on va évacuer assez rapidement ce sujet, qui est le sujet, justement, d'un Maurice qui n'écouterait pas, qui serait une sorte de, comment est-ce qu'on pourrait dire, de tyran des ondes. Oui, mais c'est parce qu'on a besoin de faire des...
On a besoin de faire des produits et de dire, regardez, chez lui, on ne parle pas. Mais on ne peut pas considérer cette émission qui a à son actif, je ne sais pas, plus de 160 000 conversations. On ne peut pas la considérer comme un endroit où on ne parle pas, c'est pas possible. Vous avez relevé, je crois, du temps de Skyrock, 100 appels par jour. Oui. À peu près. Et je me rappelle vous avoir entendu dire que lorsque vous rentriez chez vous le soir, vous vous allongiez sur le sol par moment. Parce que je crois que c'est, psychologiquement, c'est extrêmement éprouvant, puisque contrairement à ce qui a été dit, mon envie, c'est de m'investir dans les conversations. Et s'investir dans les conversations, échanger, donc ça gommer à chaque fois les barrières qu'on peut avoir pour changer d'interlocuteur, c'est extrêmement éprouvant, c'est monstrueux. Vous concevez la radio comme un espace, hein. Je crois que la radio, un vrai boulot, c'est de faire travailler l'esprit. C'est le premier boulot de la radio. Et je crois que si chacune des personnes qui se met derrière un micro se rappelle que quand on dit quelque chose, chacune des personnes qui entend fait et fabrique une image en fonction de sa propre vie et en fonction de son expérience et de ses diverses aspirations, je pense que la radio va prendre encore plus de puissance qu'elle n'en a aujourd'hui. Le problème que rencontrent nos radios maintenant, c'est qu'elles sont, pour l'essentiel, des points de passage de gens qui ont envie de faire de la télé. Donc ça fait qu'on passe à côté d'arguments magiques que peuvent avoir. La preuve d'ailleurs, c'est que Le Parisien aujourd'hui fait un grand article sur votre venue à France Culture, comme si c'était très surprenant qu'à France Culture, on parle aussi de ce qui se passe radiophoniquement et très bien ailleurs. Comme si le média radio pouvait pas se regarder comme le média télé se regarde. Il y a des émissions très bien, L'œil du cyclone, etc., où on critique, où on parle. Et la radio, on dirait qu'elle a pas assez confiance en elle en France pour pouvoir parler de ce qui se fait, de ce qui s'invente, génère. Ça vient du fait que les gens qui font la radio, souvent les gens qui sont à la tête des radios, s'imaginent que si on ne parle pas de la concurrence, je vais l'appeler comme ça, ça peut donner l'impression à celui qui écoute qu'elle n'existe pas. Parce que si jamais je dis le nom d'une autre radio, alors là, tout d'un coup, le mec qui est à l'autre bout va se rendre compte qu'il y a d'autres radios, donc il va s'échapper et partir. Ouais. Ce manque de confiance. Oui, parce que si on fait un truc, on doit se dire, lorsque je fais une émission, lorsque je propose une émission, ceux qui sont là parce que c'est bien, parce qu'ils ont envie d'être là, pas parce qu'ils s'imaginent qu'il n'y a personne, qu'il n'y a rien d'autre. Alors vous avez mis en place très rapidement un dispositif qui est que vous avez la fée électricité pour vous, donc d'une certaine façon vous êtes Dieu, et celui qui intervient sur votre territoire doit venir avec des arguments. Ce que vous appelez arguments, c'est une arête psychologique bien assise, qui fait que ce que la personne vient vous dire, elle l'a vraiment pensé. Et c'est pas. Non, je suis pas Dieu, bien au contraire, bien loin de ça. Je suis tout l'inverse. Ouais. Je ressemble à celui qui est en face. Je suis comme lui. À l'inverse de tout ce qu'on m'a appris, notamment à Radio France, et je remercie tous ces Radio France Pays Basque. Radio France dans le réseau, j'en ai fait quand même quelques-unes. Ouais. Je considère que celui qui parle au micro ne doit pas être Dieu. Il doit rappeler à celui qui parle qu'il est comme lui. Qui bouffe, qui dort, qui a des avis, qui n'a pas toujours raison, qui ne connaît pas. Mais ne pas toujours avoir raison, ça ne veut pas dire ne pas être prêt à discuter et à imposer son avis en profitant du système. C'est ce que je fais. C'est ce que je fais en toute honnêteté. Dans ce qu'on entendait tout à l'heure, justement, puisque beaucoup de gens parlent de ce que vous faites sans avoir jamais écouté votre émission, on entendait donc cette jeune femme qui appelait et qui disait « J'aime beaucoup parce que j'ai droit à la parole. » Alors, dans le conformisme ambiant et le puritanisme ambiant, effectivement, on est tout à fait d'accord lorsqu'on vient vous dire « Vous me donnez droit à la parole » et vous lui dites « Non ». Vous redéfinissez un territoire qui est le vôtre et vous dites « Non, si tu as droit à la parole, c'est que tu travailles avec nous. » Je lui dis la vérité. Parce que on a depuis, ce sont les vestiges des années 80 ou des années 70, on a pris l'habitude de mentir aux gens et de leur dire mais lorsque vous entendez Josette à l'antenne, c'est parce que c'est parce que Josette était là. Alors que c'est rarement comme ça. En général, il y a Josette, Germaine et Claudine qui viennent, et puis en fonction de leurs caractéristiques, on choisit celle qui rentre le mieux dans le moule, celle qui va donner l'impression, celle qui va faire grandir le système. Chez moi, c'est différent. Chez moi, on est dans une sorte de troquet où on peut venir effectivement parler, mais on est dans un bar. Dans un bar, il y a un règlement intérieur, il y a des gens qui prennent des risques, le commerçant notamment. Et donc c'est lui, à un moment, qui dit « Attention, vous ne mettez pas les pieds sur les sièges, par contre, vous pouvez le faire. » En fonction de leur position, de leur...
de la fréquence de leur venue, etc., et de leur connaissance de l'endroit. Qu'est-ce qui passe exactement par la radio lorsque vous dites « je suis l'autre » J'ai relevé quelques termes comme ça qui sont très, très importants pour vous, autour du sorcier, du guerrier. Il n'y a pas autre chose. Une onde, c'est quoi entre soi et un auditeur? Il y a quelque chose d'assez indéfinissable, non? J'ai vachement de mal à parler de l'auditeur. Parce que moi, je suis un auditeur. On est tous des auditeurs. À un moment, on allume la radio, on écoute un truc. Donc, ce qui m'emmerde profondément chez les gens de télé et les gens de radio, c'est qu'à un moment, ils parlent de l'auditeur comme si c'était un endroit quelque part en France. Alors, parfois, ce n'est pas valorisant, donc on n'est jamais auditeur. Il y a ce pauvre type qui écoute la radio, puis il y a le magicien qui fait de la radio, qui participe et qui fabrique un truc. Il n'y a pas d'auditeur, il y a des gens. Il y a des gens, puis il y a celui qui a, ou celle qui a dans ses mains une structure et qui peut dire aux autres éventuellement « Venez, on va se mélanger, mettre votre avis sur la table et puis en causer. » Maintenant, ce qui passe, c'est la radio est un véhicule formidable. C'est que là, maintenant, tout de suite, sans se déplacer, on peut parler à des gens qui sont à 1000 km d'ici. C'est pratique. C'est pratique, mais je vois pas, on parle souvent de magie de la radio, etc. Pour non, mais sorcier, c'est un terme qui vous appartient, par exemple, le sorcier des ondes. En fait, c'est un truc qu'on a volé. C'est Libération, je crois, qui me appelait comme ça dans un article. Et le faiseur de bruit, la personne qui s'occupe de la production de l'émission, a trouvé que c'était génial, le sorcier des ondes, c'était drôle. Donc on l'a utilisé, on l'a gardé. Ah, parce que vous auriez pu aussi reprendre alors le Père Fouettard, le Zapper. Ouais, mais c'est pas joli, le Père Fouettard. Le Caïd de la FM. Le Caïd, c'est pas joli non plus. C'est un type qui va partir en prison, ça, le Caïd. C'est pas un bel avenir. C'est pas votre intention. Non, je ne suis pas assez courageux. Avant d'écouter la revue de presse d'Emmanuel Paul, je voudrais qu'on parle d'autre chose qui est très important et d'ailleurs qui est un petit peu la même chose, j'imagine, puisque vous parliez de véhicule à propos de la radio à l'instant. C'est la moto. Vous êtes aussi un recordman de vitesse. Oui, mais c'est important. Oui, mais enfin, c'est plus une déconnade que j'évolue dans un milieu motard un peu particulier de gens qui aiment la moto vraiment et qui n'ont pas peur d'en profiter aussi vraiment, véritablement. Donc on s'amuse, de temps en temps on se dit tiens, et si on pétait un record, alors qu'est-ce qu'on pourrait faire comme record? On se plonge dans les bouquins, on se dit tiens, celui-là doit être facile à faire, ça va nous coûter une moto parce qu'elle va mourir après, mais on le fait. Ah bah c'est pas vraiment facile parce que là, le record que vous avez battu, c'est 355 km, c'est ouais. Ça et c'est... Par rapport à ce que vous disiez à l'instant, vous ne vous êtes pas déplacé précisément, puisque c'était une moto immobile. Truc interdit. On a fait un truc qui était interdit. Ah oui. Je ne m'étonne pas. Oui. Puisqu'on l'a fait sur un appareil qui normalement, est limité. C'est-à-dire que, passé une certaine vitesse, il n'est plus à même de comprendre ce qu'on lui demande. Et on s'est dit, allez, chiche, on le fait. Donc il a fallu d'abord qu'on trouve des mecs susceptibles d'accrocher la moto sur le truc, parce que si jamais elle part... C'est dans une pièce fermée. Merci. Donc la moto roule, enfin tourne à 355 km/h. Et si jamais ça part, il y a des responsabilités après. Enfin, donc moi j'en ai plus puisque c'est moi qui suis sur la moto. Mais celui qui a accroché la moto, là, normalement il est parti au tribunal. La vitesse sans se déplacer, c'est un peu la radio malgré tout, non? Vous me suivez ou pas? Oui. Enfin, oui. D'accord. Vous savez, il y avait des soirées entières. Rappelez-vous, Skyrock notamment, lorsque je vous écoutais, où les gens parlaient de leurs itinéraires à moto. Mais il y en a eu un hier soir. C'est extraordinaire, ça. C'est-à-dire que les gens, lorsqu'ils parlent de ça, ils n'oublient rien. Ils décrivent une route, un segment de route, et absolument tout. On a passé trois heures là-dessus hier soir. Oui, parce que la moto, c'est d'abord un véhicule. Et c'est d'abord une machine qui permet de collecter des images. Emmanuel Paul, est-ce que c'est votre heure? Oui, je crois. C'est l'heure du sorcier. Il est 12h58. Eh bien, c'est l'heure de la revue de presse. The government have given instructions for the following important announcements. Closing of places of entertainment. Zeitungen, Journaux, all cinemas, news, theaters, and other places of entertainment are to be closed immediately until further notice. In the light of experience, it may be possible to allow the reopening of some places.
Maurice Chanvert, dit Maurice, 33 ans, prince des malotrus rémunérés de la bande FM, Libération, 7 mars 96, martiniquais élevé dans le sud-ouest entre surfeurs et boîtes de nuit, Maurice, blouson de cuir, queue de cheval, caractère de chien, un dur, un mec et surtout une voix, précisait Philippe Plançon dans ce même numéro de Libération. Une voix, donc, d'outre-tombe, caverneuse, mais sensuelle, Le Monde, 10 juillet 95. Maurice, le sorcier des ondes, admirateur de Macha, Macha de France Inter, Libération, toujours, accueille les auditeurs dont les appels ont été retenus, précise gentiment le journaliste du Monde. Ou plutôt, pour le dire comme Philippe Lançon dans Libération, Maurice, faux tchatcheur, coupe la chic sonore à l'auditeur. Je suis agressif, intolérant, surtout avec les médiocres, dites-vous dans Libération. Réponse brutale, agressivité et insanité débitées en série. Lorsque le roi de la provoque fait son show, tous les coups sont permis, écrivait le journaliste du Monde. Je suis un dictateur frustré. C'est peut-être mon côté démocrate. Quand je raccroche au nez d'un type, c'est qu'il n'avait rien à faire là, rapporte Nicolas Elias, sans sourciller, dans Aujourd'hui, le 27 avril 95. Avec Maurice, le peuple des auditeurs est loin d'exercer sa souveraineté. Exemple, rapporté par Libération du temps de Skyrock. Une auditrice. Maurice, tu ne précises jamais ta pensée. Vous, non. Elle, pourquoi? Vous, hurlant, pourquoi quoi? Elle, Maurice, qu'est-ce qu'il y a au fond de toi? Vous, au fond? Mais rien, je suis sans fond, tu comprends et tu me fais. Là, c'est le journaliste qui tranche net. Dans ces jeux du cirque, mélange de voyeurisme auditif et de psychodrame nocturne, il n'y a qu'une seule règle. Pour Maurice, chevalier de l'apocalypse radiophonique, comme vous surnomme Philippe Lançon, le gladiateur roi ne doit jamais perdre. Maurice, qu'est-ce qu'il y a au fond de vous, au cas où on n'aurait pas compris? Parlons peut-être de ce qui nous intéresse et voyons si la presse, alors, maintenant vous suit. Depuis que vous avez décidé de quitter Skyrock, assez rapidement, je crois. Enfin, c'était sûrement une idée que vous aviez depuis longtemps, mais vous les avez prévenus assez tard, je crois. C'était un peu compliqué, parce qu'il y a, les rapports commerciaux d'une entreprise avec une autre. On ne peut pas... Enfin, il est très difficile et il est impossible de savoir à l'avance quelle sera la réaction du partenaire. Quand on lui dit, quand on va lui dire, voilà, maintenant, merci beaucoup pour cette collaboration. C'est vrai que nous avons un contrat qui dure jusqu'à temps, mais je voudrais m'échapper pour poursuivre ma route. Donc c'est pour ça que je suis parti un peu vite et c'est plutôt bien passé. J'ai de très bonnes relations avec Vortex, Skyrock et donc et Pierre Bélanger, qui Tonton Pierre. Voilà, Tonton Pierre qui est un type qui a l'expérience de l'invention. Donc il m'a dit à ce moment-là, tu veux t'en aller, t'es malade. Hein. C'est de la folie ce que tu veux faire, je pense que ça ne marchera pas, mais je comprends. Donc bonne route à toi, et puis ensuite on a fait tout ce que les avocats savent faire. Et les radios locales de Radio France, vous en laissez partir Petite question comme ça. Vous êtes parti où? Je suis parti, je vais être honnête, je suis parti suite à un truc que j'ai trouvé extrêmement agréable. La dernière radio locale de Radio France que j'ai pu faire, c'est Radio France Melun. J'en suis parti parce que, bon, comme souvent dans les radios locales de Radio France, il y a des prises de pouvoir, des machins, des trucs. Et il s'est passé, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a eu une espèce d'histoire que j'ai trouvée un peu grossière et vulgaire. Et je me suis dit, c'est pas ton univers, faut que tu t'échappes. Cela dit, les radios locales vous intéressent, puisqu'aujourd'hui, vous refaites appel à elles. Ce ne sont pas les mêmes. Non, ce ne sont pas les mêmes. Alors expliquez-nous ce que vous entendez par radio libre, Maurice, exactement. Puisqu'il y a, autant que je sache, les radios privées et les radios publiques, les radios commerciales, disons. Radio privée. La radio libre, la radio c'est, de service public. C'est sans doute la radio qui est la plus éloignée du pouvoir politique. C'est sans doute celle-là, la radio libre. Il y en a beaucoup? Oui, je crois qu'il y en a beaucoup. Bon, quand une radio est grosse, forcément, elle est obligée de compter avec nos politiciens. Mais la radio libre, c'est une petite entreprise ou une entreprise moyenne dont le but principal est d'essayer d'avoir le plus d'auditeurs en essayant d'équilibrer les comptes. En gros, c'est comme ça que je la vois. Vous vous êtes arrêté pendant 10 mois, le temps de mettre en place... Je pensais m'arrêter 4 mois. C'est mon côté prétentieux. Je pensais que je réussirais à monter cette syndication en 4 mois. Il m'a fallu 10 mois. Alors aujourd'hui, il y a 120 radios...
120 fréquences. Mais il y a entre, enfin, il y aura sans doute, puisque nous allons accueillir, enfin, Sud Radio devrait rediffuser l'émission à partir du 7 septembre, donc ça nous permet de, d'obtenir, je crois, 35 ou 37 fréquences supplémentaires. Et puis, il y a d'autres radios qui souhaitent diffuser l'émission, puisque ça a bien fonctionné. Alors, de quoi s'agit-il? Vous proposez un programme qui est le vôtre. D'ailleurs, vous considérez qu'aussi bien OuiFM qu'à Skyrock, c'était le programme, c'est le vôtre. Ça, il vous a toujours appartenu. Je ne considère pas, c'est sûr. Vous l'avez toujours produit? Voilà. Voilà. Donc là, vous continuez et vous le vendez ou vous le vendez? Je l'offre. Vous l'offrez? Je l'offre. Comment est-ce possible? Je fais... Là, c'est de la gestion. Je fais ce qu'on appelle dans la gestion, je diminue le risque client. J'offre à celui qui ne peut pas forcément payer et je fais payer celui qui peut payer. Ouais. Comme ça, on est peinard, c'est moins difficile. Je pensais qu'il y avait un échange par publicité interposée, non? Oui, enfin, il y a des acheteurs d'espace qui achètent de la publicité sur l'espace Maurice Radio Libre et nous profitons de cet espace qui est inclus dans l'émission. Ouais. Mais... pour éviter que les radios soient dans des difficultés économiques supplémentaires, parce que j'ai un niveau de vie quand même qui est assez épais, j'ai pensé que la meilleure solution, c'était d'offrir ce programme. Mmh. Et puis ensuite, de mettre l'espace à disposition des acheteurs d'espace. Oui, alors les acheteurs d'espace, justement, ne mettent jamais en péril la notion d'indépendance à laquelle vous tenez tant? Ils s'en foutent, je crois. Ce qu'ils ont envie, c'est ce que recherchent les gens qui ont besoin de pub, c'est de l'espace, c'est un endroit pour dire, voilà, on vend des chaussettes, achète-les. Mmh. Alors, il y a Internet, que vous utilisez beaucoup, désormais. On a un site qui est très dynamique et qui a été vachement bien fait, parce que c'est pas nous qui l'avons fait, c'est Club Internet. Mmh. C'est un site qui permet aux gens d'écouter l'émission en direct, de dialoguer pendant l'émission et d'intervenir donc dans l'émission par écrit, mais aussi de voir l'émission pendant qu'elle se déroule. Alors qu'est-ce qui est le plus hein? Vous parlez d'enrichissement vraiment très, très important grâce à Internet par rapport... Non, parce qu'au bout, les gens qui sont derrière les claviers d'ordinateur ne sont pas plus intéressants que ceux qui sont derrière leur téléphone. Donc bon, ça ajoute une possibilité supplémentaire d'intervention. Oui, mais je crois savoir qu'il y a une caméra aussi, une webcam dans le studio. Alors la radio là change beaucoup, non? À partir du moment où non, ça permet à celui qui est à celui qui écoute et qui voit l'émission sur Internet d'avoir un petit plus. De temps en temps, quand je dis un truc, quand je montre quelque chose, et que j'ai pas envie de rentrer dans les précisions. J'ai mon confident qui est sur Internet et lui j'ai dit regarde c'est ça dont je parle mais c'est plus pour jouer. Alors puisque c'est la célébrité qui nous intéresse ici Maurice aussi, parlons-en un petit peu. C'est pas une chose vraiment évidente d'être au top comme on dit de sa célébrité comme c'était le cas à Skyrock et tout d'un coup de décider de créer. Mais on s'en fout. Chose qui n'existe pas. Non mais on s'en fout de ça. Il y a effectivement plein de gens chez nous dont le but principal est d'être célèbre. Alors, être célèbre, c'est ne pas pouvoir être tranquille quand on va acheter son pain. Ça, moi, ça m'intéresse pas du tout. C'est monstrueux le dimanche quand j'ai les cheveux comme ça sur la tête, que je sais plus comment je m'appelle et que je vais acheter un croissant chez mon boulanger. D'avoir des mecs, c'est lui. C'est vrai que ça donne plutôt envie de leur taper dessus qu'autre chose. J'ai envie, effectivement, d'avoir énormément de gens qui écoutent ce que je fais, qui profitent du travail que je fais tourner. Mais j'ai pas envie d'être célèbre, qu'on me voit rarement dans des trucs, on me voit jamais à Saint-Tropez. Enfin, j'ai dû y passer vraiment parce qu'on avait beaucoup insisté une fois dans ma vie. Mais je trouve ça plutôt ridicule. Ouais. Vous essayez d'échapper à ce processus d'identification. Cela dit, vos auditeurs y tiennent beaucoup, non? Beaucoup appellent dans ce sens. Mais c'est notre culture qui veut ça. On a besoin d'être célèbre. On a inventé des émissions. Et les émissions à la télé, mais on se dit, mais si je passe à la télé, je connais pas bien le principe, c'est des mecs qui grattent des trucs pour passer à la télé, je veux dire, c'est n'importe quoi. Mmh. Pourquoi faire? Pour qu'on les reconnaisse après quand ils... Et c'est en même temps extrêmement paradoxal, parce que d'un côté, les gens veulent qu'on les reconnaisse, ils veulent être célèbres, mais d'un autre côté, ils veulent qu'on leur foute la paix, qu'on se mêle pas de leurs histoires. Je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt. La célébrité en elle-même, j'ai envie de parler de la célébrité du programme. Oui, j'ai envie que le programme soit connu, qu'il y ait plein de gens qui viennent, qui s'en approchent, qui en profitent, puisqu'on le fait pour ça. Le reste du temps, quand je bosse pas, j'ai envie qu'on me lâche, quoi. Donc les paparazzi vous intéressent pas beaucoup? Du tout. Il semble que vous intéressiez les paparazzi, par contre.
Maurice ou un intrus sur France Culture. Aujourd'hui, dans les foyers français, auditeurs invétérés de notre chère fréquence, Madame de Bonsugier interpelle son époux. Chérie, je vous ai demandé de mettre la radio sur France Culture, c'est l'heure des feux de la rampe. Excusez-moi, cher ami, mais la radio est programmée sur France Culture depuis toujours et personne n'a changé la fréquence. André Pierre, soyez un peu sérieux. Vous voyez bien que depuis tout à l'heure, nous entendons une grosse voix profonde et caverneuse. Je ne dis pas que cela est désagréable, mais enfin, je préfère écouter le doux murmure très caractéristique de notre chère radio publique. C'est alors que Pierre-Emmanuel, adolescent de la famille, traverse le salon de ses parents, s'arrête net et s'exclame interloqué. Vous écoutez Maurice Radio Libre, vous maintenant ? Et mon mari c'est alors fondu. Qu'elle reconnaît le jungle caractéristique alors, de la chronique oui, paparazzi des feux de la rampe. Et rassurée, elle s'installe confortablement dans son canapé en Alcantara afin de se consacrer à son émission favorite. La paparazzette maison informe ses auditeurs préférés. Et oui, vous aurez compris, notre invité placé sous les projecteurs d'aujourd'hui porte le nom célèbrement radiophoné de Maurice Toucourt ou un intrus sur France Culture. Petite morale de l'histoire qui vous est contée. Chers parents paparazzi, n'oubliez jamais que vos enfants sont les principaux indices de l'époque moderne dans laquelle vous vivez. Maurice, le sorcier des ondes est de retour. Maurice, ce petit mixage... C'est marrant, oui. Et c'est vrai que j'adore cette émission. Et... Non, c'est vrai, parce que l'émission, c'est pas... Quand je dis j'adore cette émission, c'est pas... Je suis pas en train de dire j'adore ce que je fais, moi. Ce qui est le plus intéressant de l'émission, ce sont les gens. On entend des... dans l'émission, on entend des gens qu'on croise même pas dans la rue. On entend des gens sous, des gens torchés. Où est-ce qu'on peut entendre des gens torchés ? En dehors de d'émissions spéciales réservées à l'alcoolisme. On tombe sur des mecs, des gens qui sont complètement déchirés. Et là, ça devient intéressant de savoir pourquoi, pour quelle raison. Mmh. J'adore cette émission pour ça. Et j'ai essayé de la fabriquer. On est obligé d'avoir une démarche. Et cette démarche, c'était, qu'est-ce que j'ai envie, moi, Maurice Chanvert, d'entendre à la radio. Et c'est ça que j'ai envie d'entendre à la radio. Mmh, tu l'as dit, ouais. Avec des moments gonflants, c'est sûr. Des moments... Je suis extrêmement chiante. Le moment où je me fais plaisir, où je me lâche, ça n'intéresse que moi, ou presque. Vous disiez tout à l'heure, les auditeurs, ça n'existe pas. Quand on dit les auditeurs, on ne sait pas de quoi on parle. C'est un peu pareil pour la radio, pour vous. Vous dites, je n'ai pas envie qu'on dise qu'on appelle la radio. On appelle quelqu'un qui est là, qui s'appelle Maurice. La radio, c'est l'instrument. La radio, c'est un outil. On appelle quelqu'un. On écoute quelqu'un. C'est comme si, comme si un type qui écoutait... un rouleau à musique, disait, moi, j'adore écouter des disques. On n'écoute pas des disques, on écoute Doc Gynéco. Maurice, on parle des gens, comme vous dites. On pourrait peut-être dire combien ils sont, parce qu'ils sont assez nombreux, ces gens, justement. Il y a, en 95, à 22h, vous aviez 200 000 auditeurs par quart d'heure, 10% ouais. De part de marché. Et aujourd'hui, ça donne quoi ? Aujourd'hui, on est bien parti. On a... Toutes nos radios ne sont pas sondées. Mais on sait notamment qu'à Bordeaux, on a fait une bascule multipliée par 3. C'est-à-dire que là, on a le droit de parler de la concurrence, on a fait ça. Ouais, bon. La radio qui est la plus écoutée le soir après nous, c'est Sky, avec Difool que je salue. Et on est 3 fois au-dessus. Il y a 3 fois plus de gens qui écoutent l'émission. Donc ça fait plaisir. Ça montre aux gens que finalement, c'est pas... le nom d'une radio ses efforts publicitaires qui permettent aux gens, qui donnent envie aux gens d'écouter, de participer à une émission, mais c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe dans le programme. Alors ce nombre très élevé d'auditeurs, ça donne quoi ? Ça donne un pouvoir, et ce pouvoir, il donne droit à quoi ? Il donnerait accès à quoi ? Ça donne pas de pouvoir. C'est l'argent qui donne du pouvoir. Ça donne pas de pouvoir, ça donne des possibilités nouvelles. Ça donne un renouvellement notoire. Mais ça donne pas de pouvoir. Puis on s'en fout du pouvoir. Mmh. Puisque notre pouvoir est de toute façon limité. Enfin limité, vous l'élargissez de plus en plus quand même. Puisque maintenant vous êtes aussi, je crois, en Guadeloupe. Bientôt, on vous entend aussi à Genève. Bientôt à La Réunion et très très bientôt en Afrique. Touchons du bois. Il y a du bois, oui. Il y a du bois ici. Donc, Radio Libre International aussi. Radio Libre francophone.
C'est mon... je suis pas pressé, mais c'est une des profondes envies que j'ai. C'est-à-dire ? Mélanger des gens qui ont en commun la langue française et pas forcément exactement la même culture et la même façon de vivre. Ça voudrait dire aussi le rock français, le rock indépendant français ? Oui. Ou pas français d'ailleurs ? Ça veut dire le rock, parce que moi j'ai grandi dans les guitares, donc le rock au sens général, qu'il soit français ou pas, on s'en fout. Je veux dire, ce sont les gens d'extrême droite qui veulent des priorités. La priorité à la chanson française, etc. Je trouve ça, je ne présente aucun intérêt. Ce qui est intéressant, c'est d'aimer un genre musical. Enfin, ce genre musical, pour moi, est déterminé par les instruments qu'on y entend. Et c'est, dans le rock, c'est notamment la guitare. Nous sommes extrêmement sages, Maurice, c'est presque inquiétant. Vous savez, on peut rire aussi sur France Culture. Là, c'est encore un autre truc, un des travers de notre société. Il y a les émissions drôles. Alors, il faut qu'on soit drôle systématiquement. Ouais. Il y a des émissions. Moi, je suis pas. C'est juste une émission. Non, mais je suis pas une caricature. Ouais. Pour que je puisse me marrer, il faut qu'il se passe quelque chose qui me donne envie de rire. Je vais pas arriver là en étant comme on m'a reproché d'être agressif. C'est vrai qu'on est tous agressifs. On est des latins. Le latin, il est agressif, etc. Je suis pas plus agressif en fait qu'un autre. Je suis pas plus marrant ni moins drôle. C'est fonction de ce qui se passe. Il y a des moments où j'ai envie de déconner en fonction de ce qui se passe, donc je déconne. Puis il y a d'autres moments où... Là, depuis le début des feux de la rampe, il ne s'est rien passé qui me donne envie de me taper sur le ventre. Je ne vais pas faire semblant. C'est sûr. On va peut-être passer quelque chose qui va vous faire plaisir, par contre. Allô ? Allô ? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes notre auditeur célèbre aujourd'hui ? Ben, c'est ce qu'il paraîtrait. Ouais. Alors, on vous écoute ? Donc, je m'appelle Edward. Edward ? Edward, voilà, à l'anglaise, l'ombre des ondes. Ouais. Je vous remercie de me donner la parole. Et plutôt que de parler de célébrité, on va dire minute de visibilité, pas mal pour de la radio. Donc, je remercie Andy Warhol, Isabelle Rabineau et je salue Maurice. Bonjour. Pour répondre ou pas ? Bonjour, oui, on peut, bien alors, sûr. Bonjour, donc, Edouard. Bonjour Maurice. Donc, je suis tout droit sorti des radios libres. J'ai commencé la radio, j'ai même envie de dire, j'ai commencé véritablement ma vie avec la libération des ondes, les années 80. Puis, j'ai grandi un petit peu. J'ai poussé des études histoire de voir, peut-être bien pour le savoir, mais c'est la culture. C'est ce qui reste quand on a tout oublié, comme dirait une célébrité. J'en suis vite revenu. Alors, je suis revenu au plaisir de la communication vraie, en temps réel, le plus souvent en show. J'ai travaillé par téléphone, j'ai fait de la consultation, pour prendre un mot que j'aime pas du tout. J'ai fait de la presse, de l'édition et même du cacheton à France Inter. Donc, c'est pour ça que j'aime bien parler de l'ombre des ondes en tant que qu'assistant. Et aujourd'hui, donc, je suis heureux. Je trouve pas d'autre mot, je suis heureux de réentendre Maurice sur cette grande antenne culturelle, puisque j'ai pas le plaisir de l'entendre sur des antennes nationales. Parce que vous êtes à Paris, c'est ça, Edouard ? Non, je ne suis pas à Paris, je suis à Montpellier aujourd'hui. Ah oui, bientôt, il pourra entendre, Edouard. Bientôt, sur Sud Radio. Voilà. Voilà, je viens de Toulouse, d'ailleurs. Je connaissais bien Sud Radio à Toulouse. Et puis, bon, peut-être que je tournerai sur Paris, je ne sais pas. C'est l'âme du voyageur. Vous suivez, Maurice, sur cette notion de radio libre ? Totalement. J'ai eu l'occasion, d'ailleurs, je pense que ça fait 2-3 ans, quelque chose comme ça, j'avais rencontré Maurice, il se souvient pas de moi, évidemment. Mais si. Ah, il est gentil, c'était à... Extrêmement gentil. Hein ? Non, je dis extrêmement gentil, oui. C'était à Béziers, au salon des radios FM. Ah oui. Tu te souviens ? Oui, bah, et on avait tapé une petite causette, comme ça, quoi, au bar. Et donc voilà, je suis totalement dans cet esprit radio libre. Je m'étais intéressé, je m'intéresse toujours à la notion de libre antenne. J'étais passé chez Macha Béranger, d'ailleurs, il y a pas mal de temps, où j'ai connu ma charmante femme qui s'appelle Tina, que je salue, c'est le moment. Ils en passent des choses. Totalement. Donc c'est pour ça que quelque part, je suis le fils de la radio, entre Macha Béranger et quelque part entre Maurice. Donc vous seriez peut-être un auditeur véritablement, peut-être qu'on peut retenir cette définition pour vous, alors un véritable auditeur célèbre. Un auditeur véritable, c'est quelqu'un qui a deux oreilles, c'est ça ? Oui, mais un auditeur qui est le fils de la radio, c'est pas souvent. J'avoue que j'ai du mal à comprendre la notion, mais bon. La notion d'auditeur. Bon, merci beaucoup, monsieur, d'avoir été notre auditeur célèbre aujourd'hui, en tout cas, et puis continuez. Est-ce que je peux lancer une bouteille à la mer ? Pourquoi pas ? J'ai envie de donner mon numéro de téléphone, si vous le permettez. Allez-y. À tout hasard, comme ça.
Donc c'est le 04 67 à Montpellier, 04 67 15 04 21. 04 67 150 421. Je vous remercie de m'avoir donné la parole et au plaisir de vous réentendre. Et salut Maurice. Au revoir. Et bonne route. Merci. On entendait Johnny Mitchell juste avant notre auditeur. Désolé, hein. Ouais. Quelle puissance. Ouais. Les voix. Ouais, les voix, les... enfin la musique. La voix et ce qui est fait pour la mettre en relief. C'est important, la voix de l'autre, lorsqu'elle arrive, hein, je dirais pas un auditeur, mais alors une personne qui téléphone, ce qu'elle dit, il y a ses arguments, comme vous dites, hein, il y a le dispositif qui est en place, et puis il y a sa voix, il y a la densité de sa voix aussi, non ? Quand c'est une fille, oui. Ah ouais. Quand c'est une fille, oui, ça peut donner des envies sexuelles. Ouais. Mais la voix, c'est un véhicule. Vous avez été beaucoup attaqué sur cette notion de striptease, hein, qui était particulièrement intéressante à la radio, précisément, puisque... Qui continue. Ah bah oui. Le striptease, c'est génial. Le striptease ne devrait exister qu'à la radio quand il se fait. Parce que quand on vous dit que c'est une brune, je ne sais quoi, qui se dessape, et qui se dessape vraiment, puisqu'on n'est pas là pour mentir, autrement on ne le fait pas, chacun d'entre nous a sa propre brune dans la tête, et on imagine toujours une jolie brune qui se dessape, et je trouve ça fantastique. Et puis il y a le côté performance. C'est une nana, c'est un être humain qui fait quelque chose qui est en dehors de ce qu'on lui a appris à faire. Venir et se dessaper chez un mec qu'on connaît pas, se mettre tout nu, se mettre à poil. C'est un truc extrêmement fort psychologiquement. Je ne sais pas si j'aurai le courage de le faire. Pour l'instant, vous n'êtes pas une fille. Pour l'instant, non. C'est pas prévu non plus. Et en quoi c'est une guerrière ou une amazone, précisément, cette fille-là qui vient le faire à la radio ? Est-ce qu'elle correspond à quelque chose de qui serait la perversité aussi non. De la radio ? C'est pas pervers de se dessaper, on se dessape tous, enfin, j'espère, au moins pour se doucher. Donc c'est pas la performance, enfin ça devient une performance à partir du moment où on part de chez soi et qu'on se dit « Allez, je vais me faire peur, j'y vais !» Et qu'on le fait véritablement. C'est... Le plus intéressant du striptease, en tout cas à la radio chez moi, c'est le fait que quelqu'un puisse avoir le courage de faire ça pour rien. Le faire pour le faire, pour se violer l'esprit. Et vous pensez vraiment qu'il faut se dessaper, comme vous dites, pour faire du striptease à la radio ? Est-ce que parler dans un micro, c'est pas déjà, d'une certaine façon, un dévoilement plus profond ? On ne dévoile rien, enfin, ça dépend qui on est. Si on est un professionnel de radio... Ce qui fait qu'on est un professionnel de radio, c'est pas le fait qu'on sache parler, puisque tous les gens qui sont là sont susceptibles de parler. C'est qu'on est justement capable de contrôler ce que l'on dit. Je vous propose justement d'écouter la radio telle qu'elle se pensait il y a quelques années. Et je me tourne alors vers le général Lesky qui va nous donner quelques précisions. Eh bien, sur le plan technique, l'effort apporté sur le développement intensif des nouvelles techniques de radiodiffusion sonore à modulation de fréquence, je signale que d'ici la fin de l'année 62... Le programme France 4, programme musical de très haute qualité, sera audible à peu près sur l'ensemble du territoire, et il en sera de même du programme culturel France 3. C'est un bon, mais déjà, c'est ça, oui, ton mec en tant qu'inférieur. Alors, tu t'as même pas pu, déjà, t'adore. Les filles, s'il vous plaît, ne parlez pas en même temps, l'une après l'autre. À se procurer, à acheter des récepteurs comportant la gamme en modulation de fréquence. On trouve actuellement sur le marché des récepteurs transistors comportant la gamme en modulation de fréquence. Bon, je t'embrasse, petite. Isabelle, t'as autre chose ? Non, j'ai rien à dire. Je t'embrasse, petite, bravo pour ta prestation. C'est extraordinaire, j'adore cette émission. Ah, t'as une chance colossale, t'as qui chez toi de pouvoir l'écouter. Ah, j'aurais bien aimé être dans un fauteuil. Attends, je serais tordu de rire, moi, à la maison. C'est fabuleux. Le CSA a autorisé les radios à reprendre ce show, puisqu'ils ont dit show d'ailleurs, pour ce qui concerne notre émission. Non, j'ai vu ça dans la presse. Oui. C'est incroyable. Ça a été compliqué d'avoir cet accord ? Extrêmement compliqué. Ah, oui. Il a fallu quoi ? Un an et demi ? Un an et demi pour que ça se fasse. Je remercie d'ailleurs les gens du CSA d'avoir compris ce que je voulais faire, parce qu'ils avaient un peu peur que je ne cherche qu'à gagner de l'argent. Alors pour vous écouter, Maurice, soyons concrets, mais vous voulez gagner de l'argent aussi ? Oui, bien entendu, s'il en faut pour alimenter mes outils. C'est un métier ? Comment ? C'est un métier ? Oui, c'est un métier, je ne le ferai pas gratuitement. C'est vrai ? Oui, bien sûr. Maurice, on peut vous écouter où et comment ?
Où et comment? Ben, le mieux, c'est d'appeler notre numéro et de demander à cette fille qui est extrêmement bronzée en ce moment, qui est très jolie, que j'aime appeler Végétaline. L'appeler, lui demander, parce que là, si je commence à développer ça... Il y a le satellite. Il y a le satellite, il y a Internet, il y a notre téléphone. Il y a plein de gens qui écoutent en insert, c'est-à-dire qui téléphonent et puis qui se mettent en attente. Il y a quoi pour écouter? Il y a les radios. Il y a Abessat. Il y aura sans doute bientôt Canal Satellite. Je pense que le mec qui veut écouter, il peut. On peut donner quand même, vous avez cité Sud Radio, il y a 8FM. 8FM. 8FM, bravo. Turbulence FM. Turbulence FM. Il y a Radio Métropole, il y a la Guadeloupe par exemple, c'est 106,2. 106,2, la radio qui bouge, la radio qui bouge. Pax Americana, lavage de cerveau super économique. On va que tu se caractères. An American in Paris, folks. Hong Kong. England. London Philharmonic. Radio Hanoi. This is Manila calling. Direct from Radio Australia. From Washington, the voice of America. This is London. Radio Peking wishes you all a pleasant good evening. Les feux de la rampe, ce sera tout pour aujourd'hui. Maurice, Radio Libre, à suivre. Avec plaisir. Ghislaine David, Emmanuel Paul, Agathe Lévita, David Henry, Stéphane Lévy, Emmanuel Pige, Ferdinand Prévost et Jean-Christophe Deloge. Demain, notre invité, Thierry Garrel. C'est vrai? Ouais. T'as vu le cinquième élément? Non. Est-ce que toi, t'as lu Candide de Voltaire? Oui, quand même, je suis sorti. Ah, il est bien. Ouais. Je l'ai lu récemment. Bah, je vais t'envoyer le cinquième élément, ah, tu vas le lire. Ok, à tous. Okay. Je te passe aussi, ça va mettre tout ça au point avec toi, c'est une fille géniale. Maurice. Le sorcier des ondes est de retour. Dans ta radio à toi. Allô, quel âge, je te prie? Oui, c'est Rosemary. Quel âge est-ce que tu as, Rosemary? Je suis Bordeaux. 31, pardon, mais j'ai fait il y a 3 ans. Félicitations, joyeux anniversaire, c'est bien. Merci, c'est gentil. Parce que quand tu as soufflé tes bougies, tu dis, j'ai tenu jusque-là. T'es dans un pays où finalement t'as des incohérences à tous les niveaux. Je sais pas, moi je pensais à un truc bon, qui m'a frappé il y a pas longtemps parce que j'ai un mari qui est étranger. J'ai été demander un renouvellement de carte de séjour. On te demande à la CAF un récépissé de la carte de séjour et quand tu vas là-bas, on te dit qu'on te le fait pas parce que t'es ressortissant d'un pays européen. Et la CAF continue à le demander. Moi c'est l'exemple type du truc qui me choque complètement. Et les gens disent rien. Tu me suis? Absolument. Tiens, il y a quelqu'un qui veut te parler. Alors, voilà, je te prie. Ah, ok, sans problème, Isabelle de Nantes, 42 ans. Je te présente Rosemary, 31 ans, de Bordeaux. Bonjour. Oui, bonsoir, Rosemary. Tu vois, bon, tu parles de problème de racisme, mais je pense que simplement le problème d'en parler, c'est déjà pas jeudi, bien. Jeudi, 20 août 1998, au quatrième top, il sera 13h30. Maurice Radio Libre, la radio carrément rock, la radio carrément libre.